Il est un peu vieux. Salut l'équipe, l'affaire Tim a le cœur lourd, a la larme à l'œil. Il est pas mort, hein? Ça ne me fait pas rire. Je suis désolé, ça ne me fait pas rire. Non, en fait, on est plutôt heureux. On est heureux, c'est une vidéo plutôt sur le bonheur, parce qu'on est heureux de célébrer dans cette vidéo Tony Parker. Cette semaine, le Français, dans un tweet, entre autres, a annoncé la fin de sa carrière de basketteur. Après 18 ans de NBA, 17 ans aux Spurs et une grande carrière avec l'équipe de France, c'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, tu m'étonnes, énormément reçu. Tu m'étonnes aussi. C'était une aventure incroyable. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France, en NBA. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, donc Steph Brun et Thomas. Oui, tout à fait. Avec nous. Et Nico Batum, qui est forcément très bien placé. Donc aujourd'hui, on fait la first team quand même, on est au max. Hein. On est quand même là pour faire une émission hommage à Tony Parker. Il y a deux mecs qu'on joue avec lui en équipe de France. Et on combat moi qui n'ai pas joué en équipe de France. Du coup, je... Moi, j'aurais pu jouer avec lui en équipe de France jeune parce qu'on est de la même année, 82. Moi. Mais ça s'est arrêté là. Maintenant, la prochaine équipe de France, c'est peut-être en e-sport, vu comment tu marches. D'accord. Lui, il est en bonne santé, lui. Lui, il est en pleine santé. Bref, fais la victoire. Hein, fais la victoire. Ouais, je suis la victoire. Je vais attendre de marquer. La first team victoire. D'accord, je vais essayer de reprendre. Alors, du coup, il y a cette petite entame là où on est tous tristes, le cœur lourd. Alors, je voudrais juste citer Tony Parker, vraiment, dans l'équipe qui a sorti un numéro spécial. Superbe, Ali, absolument. Je ne meurs pas. Alors, moi, j'aimerais plutôt qu'on célèbre cette fin de carrière plutôt qu'on ait le cœur lourd. Et qu'on se mette tous à chialer. Regardez. Oui, allez, prenez-le. Qui a vu ça? Tony a vu ça. Ouais, Estanguette aussi a vu ça. Et qui? Tony Estanguette. Ah, mais personne n'a eu 13 pages. Tony Estanguette, il n'y avait pas 14 pages après. Hein, personne n'a eu 13 pages, exactement. Vrai, donc évidemment, on n'est pas là pour pleurer dans les chaumières. Au contraire, on est là pour se dire qu'on a assisté pendant quasiment 20 ans à la carrière d'un des plus grands Français de l'histoire. Et ma première question pour vous, les gars, et à toi, Nico, c'est. Quand tu le savais depuis longtemps, j'imagine, mais qu'est-ce que ça t'a fait quand c'est devenu officiel? Quel a eu le premier sentiment? Ah, j'étais avec lui le matin, quand, le jour de son annonce. J'étais avec lui une bonne partie de la journée. J'arrive le matin, je viens le voir, donc je lui dis bon. Comment il fait? Oula. Ça lui passait au-dessus de la tête, quoi. Il est pour lui, il est passé à autre chose, quoi. Donc il est soulagé. Moi, ça ne m'a rien fait, parce que je sais, tu es en avant. Mais c'est de voir. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir la réaction. Toutes les réactions qu'il a eues. Et c'est ça qui l'a touché, surtout, je pense. Et, il y a eu pas mal de tweets. N'hésite pas à les envoyer en régie. C'est ça qui l'a touché. Et, après, ouais, voilà, après, on a joué ensemble cette année. C'est vrai que j'ai joué avec lui pendant 10 ans en équipe de France aussi. Donc, on a une relation maintenant particulière. Mais c'est un... Ça fait quand même aussi bizarre parce qu'il nous a quand même accompagnés. Je dis toujours, c'est lui, enfin, en tant que Français, qui nous a ouvert les portes. Clairement. Steph, Tony Parker, c'est pas le premier joueur NBA. Il y a eu Tariq Abdul-Ouad, il y a eu Jérôme Moïseau, qui n'ont pas eu des grandes carrières NBA. Mais Tony Parker, c'est nous, quand on était notre génération, toi, tu es 80, je suis 82, c'était déjà aller en NBA, se faire drafter, même les Digbeux à l'époque, on se souvient, deuxième tour, c'était ouais, génial. Tony Parker, il est allé en NBA. Et c'est le premier qui a dit on peut y aller, mais on peut réussir. Et ça, c'était une première. C'était une première. Alors, il a toujours eu cette catalogué de garçons ambitieux, même quand il est tout petit à l'INSEP. Il parlait de NBA. Donc, parfois, on le prenait un peu pour. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, comme connerie? Et en fait, il allait au bout de ses rêves par le travail, par la détermination, le fait qu'il ait aussi un peu cette psychologie américaine qui est être. La surconfiance en soi, elle est importante aussi, qui est différente de la mentalité française. Et lui, cette double mentalité-là lui a permis d'exploser là-bas en NBA. Et puis, drafté 28e, et puis faire deux années en France avant, et arriver dans une franchise. Attends, stop. Le maillot horrible de C'est un maillot collector, apparemment. Tripixel. L'INSEP en rouge, déjà, c'est archi bizarre. C'était pas la méthode Slim, c'était pas Non, mais puis, voilà, réussir dans une franchise, au bout de 5 matchs, déloger Antonio Daniels pour être starter et devenir le plus jeune meneur starter de l'histoire de l'NBA. On va revenir, t'es en train de griller mes billes, là. C'est pas grave, mais... Mais non, mais c'est, je veux dire, moi, il m'a fait rêver en tant que passionné et fan de basket, et puis moi, il m'a fait vivre aussi mes plus beaux moments. Enfin, quand j'ai pu voir les finales, on en reparlera tout à l'heure, mais quand j'ai pu voir les finales chez lui, mec, je me rappellerai toute ma vie, c'était le plus beau moment de ma vie. Donc il m'a fait à la fois rêver devant ma télé en tant que fan de basket, et il m'a fait rêver aussi en tant qu'homme. Donc oui, moi j'ai été triste, mais je le savais, c'est toujours triste quand même. Mais pour répondre à ta question, et je te rejoins complètement, on le savait depuis quelques semaines, quelques mois, qu'il se dirigeait... On a fait l'émission d'ailleurs.
où on avait à moitié l'info. C'est bien que tu en parles, mais comme l'année dernière, on a fait une émission tous les trois, est-ce que Tony Parker pourrait quitter les Spurs ? On va le répéter aux gens qui nous regardent. Lorsqu'on propose des thèmes comme ça, est-ce qu'il peut quitter les Spurs ? Est-ce qu'il peut prendre sa retraite en fin de saison ? En général, c'est parce qu'on se base sur une information qu'on a eue, voilà, un petit peu. Non, mais des infos en général. Des infos, c'est intéressant parce que, en fait, souvent, on nous dit, les gars, vous pouvez pas dire ça, vous dites n'importe quoi, d'où vous sortez vos trucs. On vous répète vraiment que quand on fait des émissions, en général, c'est qu'il y a un embryon d'information à la base et qu'on veut le transmettre et en débattre ensuite. C'est important. Et quand on a fait l'émission, est-ce que Tony Parker est cramé ? Tu t'es basé sur quel. Sur mon ressenti, sur ce que j'ai vu et sur le choix des le Spurs, la franchise américaine la mieux gérée de tous les temps, qui avait décidé de mettre le clignotant sur Tony Parker. Je trouvais que c'était un bon choix à l'époque. En tout cas, on pouvait les suivre. Pour répondre à ta question, Erwan, on le savait plus ou moins qu'il allait prendre sa retraite. Quand j'ai vu voilà, l'annonce officielle, ça m'a fait un truc hyper bizarre qu'on ressent cœurement. C'est que largué, quoi. Un peu, c'est que j'étais triste, j'avais une boule au ventre, ça a duré 2 heures. Après, j'ai encore 3 ans à m'en remettre. j'étais pas bien, j'étais là, je me disais, putain, c'est une page qui se tourne. Alors oui, on sait que le temps passe, on peut rien y faire, et ainsi de suite. Mais moi, ça me fait mal au cul de me dire que Tony Parker, le gars qui nous a fait rêver, qui a ouvert le chemin à tout le monde, bah, prend sa retraite. Bah, ça veut dire que le temps passe, c'est bientôt 36, ça me fait mal au cul. C'est clairement la fin de quelque chose. On va reprendre chronologiquement le début de carrière de Tony Parker. La première fois, vous avez entendu parler de Tony Parker. C'était quand et comment ? Tu te souviens, Nico, toi ? C'est quand il s'est fait drafter, moi. Bon, je n'ai pas vraiment entendu parler de lui avant. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans quand il s'est fait drafter, donc c'était... Et puis, il n'y avait pas l'électricité encore à Pont-l'Évêque, donc pour avoir Internet... Tu vas te faire des potes. Ouais, je rigole, hein, j'attends la Normandie. On est quand même 2 joueurs en WNBA, maintenant. Oui, c'est vrai. Patelin, machin, quand on en voit 2, hein. Ouais, c'est vrai. Marine plus que Paris. Hein. Marine Johannes et moi. Et le fromage, donc ça fait 3 quand même. Ouais, ça fait 3 en États-Unis. Non, mais en fait, moi, je l'ai connu. Enfin, petite histoire. C'est l'année où c'est drafté. Donc, il vient de Mont-Saint-Aignan. Et il y avait Mont-Saint-Aignan qui faisait des stages de basket l'été. Il est délocalisé. Et cette année-là, ils l'ont délocalisé à Pont-l'Évêque. Et Tony devait venir. Donc, j'entends, ouais, Tony Parker, joueur du PBR, qui s'est fait drafter par les Spurs. C'est comme ça que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. D'accord. Il n'est pas venu. 2000 à la draft. Hein. Ouais, 2000. Il n'est pas venu au camp. Il devait venir, il n'est pas venu parce qu'il a été repêché pour l'Euro. Ah oui. En Turquie, parce qu'il y a eu un blessé. Donc, il a été rappelé au dernier moment. Du coup, il avait dû rejoindre l'équipe de France au dernier moment. Donc, je n'avais pas pu le voir. Je vais le voir en 2001. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. J'ai fait son camp, en fait. Toi, Steph, toi, Thomas, pardon, on va rester avec les plus jeunes. Mmh. Ouais. Nico, t'es 88, Thomas, t'es 90. C'est important de voir par rapport aux différentes générations, tu vois, le ressenti qu'on a. Et je suis sûr que Steph et moi, on n'aura pas du tout le même chose. Bah, c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression de connaître Tony Parker. Là, quand j'y pense, c'est difficile de mettre un moment. Mais je dirais aussi au moment de sa draft, mine de rien, j'ai commencé à suivre le basket à 10 ans. Donc, on va dire en 2000-2001, la draft de Tony Parker est à ce moment-là. Et je pense vraiment que moi, mon amour du basket, il est arrivé avec les Lakers de Kobe et Shaq, mais aussi avec le fait que Tony Parker soit un mec à suivre à fond en NBA. Donc moi aussi, je pense que le premier souvenir que j'ai de Tony Parker, bah, c'est voilà, ces années-là, son année rookie avec les Spurs et donc sa draft de 2001. Steph. Moi, j'en entends parler quand je suis espoir à Cholet au centre de formation et que lui est à l'INSEP. Donc, on en entend beaucoup parler avec les équipes de France. Qui est ce phénomène qui fait des cartons en National 1, alors que nous, en Championnat Espoir, on se contentait de la National 1. C'est un championnat bien meilleur que celui du Championnat Espoir. Et on voyait un gamin comme ça faire des cartons. Moi, j'ai failli le croiser quand je fais les championnats d'Europe des moins de 20 en Macédoine. On récupère 2 gamins de moins de 18. On devait récupérer 2 gamins de moins de 18 qui avaient fini leur Euro. C'était Boris et Tony. Sauf que Tony, apparemment, a un pépin physique, donc il vient pas. Donc, on récupère que Boris, bon, c'était pas mal à l'époque déjà, donc j'ai pas eu l'occasion de le côtoyer là, mais c'était un ovni pour nous au championnat espoir qui était un championnat d'enfants. Ta casquette là, parce qu'en fait c'est très intéressant et qui était un championnat d'enfants. Et nous on voyait un mec qui avait 3 ans de moins que nous défoncer des adultes qui étaient à l'époque la 3e division française, donc on était vraiment vraiment intrigués. Ouais, moi c'est ça, bon, je suis 82, moi j'arrive en centre de formation, donc je de Marseille, donc autant te dire qu'il y a une culture basket qui est néant. Non, j'arrive dans le sud-ouest qui a une vraie culture basket, j'arrive de Marseille avec 7 survêtes Lacoste. Allez l'OM et tout, et on me parle de l'INSEP. En plus j'avais des gens qui connaissaient Boris et qui me disent mais il a un autre pote Boris qui est à l'INSEP et qui joue avec un mec Tony Parker qui est 82 et il froisse des mecs. Et à l'époque, il y avait Basket Hebdo, tu vois, tu lisais ça à fond avec toutes les stats, et tu voyais les stats tous les week-ends. 10 francs, Et tous les week-ends, tu voyais Tony Parker mettre 33, 34, 27, 28. Et tu vois, à l'époque, la National 1, c'était quand même un championnat très costaud, et lui, il démontait
tout le monde. Donc Lidstedt ne gagnait pas un match. Ils en gagnaient avec lui. Il fait le record de victoire. Pas avec lui, mais c'est à l'époque où Lidstedt se faisait taper. C'est pas avec Edwin Jackson et Antoine Blue où ils se maintiennent. Non, c'était la guerre d'ailleurs entre les deux. Mais ils ont voulu taper le record. Ils étaient à deux victoires, je crois, mais c'est eux qui ont le record. Donc tu es en train de me dire que la génération 82 est meilleure que la génération 88. Ce débat, on l'a génial. Il est génial ce débat. En équipe de France. Il a fallu organiser un match 82 contre 88. On a failli le faire en 2012. Ça devait se faire à Bercy ou à Coupe. Je crois que c'était à Bercy qu'on voulait faire. Ça a failli se faire. Mais vraiment, on était tout proche de le faire. Débat qu'on a eu, nous aussi. Qu'on adore. Justement, cette génération 82, donc il y a Tony Parker qui est à l'INSEP, qui fait des stats incroyables. Et avant, donc sa dernière année à l'INSEP, et avant de rejoindre le milieu pro et donc de rejoindre le Paris Racing à l'époque, il lâche le championnat d'Europe en Croatie, la finale à Zadar avec Boris notamment, où il est élu meilleur joueur du tournoi et ce premier titre de champion d'Europe, son premier titre avec l'équipe de France, ça peut paraître anodin parce que c'est un championnat d'Europe junior pour certains, mais pour lui c'est le début de quelque chose. Bah, surtout avec ses potes, donc Boris Diaw, Mike Pietrus, Ronny Turiaf qui avait un an d'avance aussi, donc c'est quand même le noyau dur. Ronny qui met le panier de la gagne. Absolument. Gaëtan Müller qui est... Tu voulais qu'on fasse des... Dans le quiz, donc c'est un point pour moi. Non, attends, vous savez quoi? Alors le quiz, c'était pour la fin, on va faire juste maintenant un truc de quiz, c'est vous allez me faire un par un, l'équipe championne d'Europe 2000, Junior Azada. À part tout ce qu'on a dit. On repart à zéro. Ronny. Tony Parker. Boris Diaw. Gaëtan Müller. Noël Nijan. Tout à fait. J'étais coaché par... Putain, j'ai un trou de mémoire. C'est difficile. Franchement, je sais pas. T'es éliminé ? Ouais, je pense. Ouais. Oh non, moi, non. Deuxième meneur. Ah oui, non. Non, dis rien. Laisse le duel. Yakuba. Je vais le taper. Yakuba Diawara. Guillaume Yango. Guillaume Yango. Oh, c'était mon prochain. Guillaume Yango, mais les gars, il y a. Moi, j'en ai plein. Hein. Ah, moi, je les ai tous. Hein. Guillaume Zagzag. Vincent Mouillard. Michael Pietrus. Tu me sors cette équipe-là, tu me sors pas l'Euro 2005. Michael. Tu te souviens plus de Zadar 2000. Tu sors les moins de 18, 2000. Et pas les A de 2005 qui font la première médaille. Donc, Mike Pietrus, donc David Frappereau, Vincent Mouillard qui prend la place de Julien Doro au dernier moment. Qui était le coach? Pierre Vincent. Et David Frappereau qui finit le match en meneur titulaire. Parce que Tipeee prend 5 fautes et c'est lui qui fait Frappereau qui fait cette passe incroyable tout terrain. Les meilleurs en face, chaque. Qui est Planinic. Zoran Planinic. Zoran Planinic, ouais. Vous êtes fort. Ouais. Bah, c'est notre génération. Mais moi, un petit Puntos quand même. N'oublie pas pour la fin. Vincent Mouillard, j'étais coaché par Vincent Mouillard. J'ai fait un peu sur un tournoi de zone. J'ai un peu honte de pas citer. Désolé, mon Vincent. Bonjour. Moi, j'ai joué contre lui en cadet. Ah, oui, bonjour. Ce mec-là. Espoir avec lui. À Cholet, ouais. Tous ces mecs-là qui nous ont bien cassé la gueule. On les a battus, Cholet. Bref, on s'en fout. Donc, il est champion d'Europe. Il termine son cursus jeune, entre guillemets. Et donc, il débarque dans le milieu pro au Paris Racing. Donc il est de l'INSEP, le voyage est assez court. Il est champion deux ans avant. Ouais, qui est champion deux ans avant. Et ses débuts en pro, finalement, sont assez compliqués parce que, sur le même poste que lui, il y a Laurent Serra, qui est meneur titulaire en équipe de France, qui est un personnage. C'est un basket différent, joueur éminemment respectable et fantastique, qui est Laurent Serra. Bien sûr. Mais il y a quand même choc des cultures. On peut dire que Laurent Serra, il ne fait pas beaucoup de cadeaux à Tony Parker sur cette première saison pro. Non, il est dur. Il est dur avec lui parce que Lolo Serra, choc des cultures. Voilà, lui, Lolo qui est un peu à l'ancienne et il voit débarquer un mec, hein, la culture américaine aussi. Qui leur parle de NBA déjà. Qui leur parle de NBA alors que la NBA, la NEBA pour Laurent Serra, la NEBA, ça ne vaut pas un pichet de cidre. Donc compliqué, il voit le gamin arriver ambitieux. Il y a forcément l'entraînement qui a envie de gagner sa place, gagner des minutes. Donc c'est un petit peu tendu entre les deux. Et il est dur, Lolo Serra, cette première année. Il est très dur. Ouais. Il t'en a parlé, toi, Tony, de ses premières saisons aux côtés de Laurent Serra, comme ça? Non. Pas du tout. Il parle peu, finalement, de ces moments-là où il a été un petit peu... Il joue assez peu. C'est Didier Dobels qui coach, il me semble. Plus de la deuxième année. C'est pas Ron Stewart, on disait? Ron Stewart, c'est pas Didier Dobels qui coach la première année? Ah, la première année, je sais pas. Deuxième année, sûr. Il parle plus de la première, non, la deuxième, oui. Je pense que c'est là aussi où, mine de rien, tu te crées ton... On sait qu'il a un mental d'acier extraordinaire, mais c'est quand même une année difficile où, tu l'as dit, où il sort d'année de l'INSEP, où il domine, où c'est peut-être le meilleur jeune que l'histoire, avec Rigaudot, on va dire, de l'histoire du basket français, tu vois. Il arrive en pro et
c'est un rock, Lolo Ciara, il est très dur. Moi, je me suis aussi entraîné avec lui quand j'étais espoir et tout. Et il était dur avec tout le monde. Batte dans la gueule, t'ouvres pas, boum. Tu vois, tu flashes pas, balle dans la gueule, et voilà, la prochaine fois, tu vas t'ouvrir. Donc j'imagine qu'il avait été très dur avec lui. Je suis très curieux. Je serais très curieux de savoir leur relation à l'époque, mais même aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'entendent? Ce serait une bonne question à poser à Lolo Ciara ou à Tony Parker. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments vraiment de dur que derrière, tu vas t'éclater complètement sur une deuxième année où tu deviens... Une première année compliquée avec des stats assez anecdotiques. Par contre, la saison d'après, le PSG Racing mise clairement sur Lolo Ciara part à l'ASVEL. Ouais, c'est ça. Part à l'ASVEL. Okay. Et donc Paris Racing donne les clés de la boutique à Tony Parker. Quelle bonne idée, messieurs. Une saison à plus de 14 points par match. Et là, on découvre un mec de 18 ans qui rayonne sur la proie. Il t'en a parlé de cette saison, toi de... Ah, on en a parlé, oui, parce que voilà... Je pense qu'on compare tous, surtout quand on voit ce que... On parlait surtout par rapport à Théo Malédon, qui va sortir. Une fois, on a parlé de ça, de nos dernières années. Les dernières années d'Evan, celles de Rudy, Franck, Lamienne, Boris, enfin tous. C'est vrai qu'on a pas mal parlé aussi de la sienne. Et il disait que ouais, ça a été... quelque chose a changé, quoi. Il s'est dit, au bout d'un an, bah, en fait, j'ai plus rien à faire ici, quoi. Maintenant, le prochain niveau, c'est là-haut, quoi. Mais à l'époque, en plus, c'était pas obligé. Il n'y avait pas l'Euroleague en tête. Comme non, c'est vrai. Maintenant, limite, c'est une obligation, limite, ouais, de jouer une grosse Coupe d'Europe ou l'Euroleague mondiale. Lui, en fait, c'était pas ça. Lui, ça ne le tentait pas forcément. Il dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça fait 3 ans, à part l'année d'avant, qu'il a bousillé tout ce qu'il y avait. Surtout à cet âge-là. Donc, il était prêt à partir, surtout avec l'Hoops Summit. Ça l'a aidé. L'Hoops Summit, c'est en 2001. Ouais. L'Hoops Summit 2000, où il éclate aussi aux yeux des scouts NBA, ainsi de suite. Bon, on le connaissait évidemment, mais quand tu es aussi fort face aux jeunes talents, il y avait Darius Miles, j'ai regardé la vidéo il n'y a pas longtemps. Il y avait Omar Cook. Miles, il y avait Omar Cook qui était très, 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 très fort à l'époque. Et considéré comme meilleur que Tony Parker à l'époque. Et clairement, oui, et qui sortait d'année de lycée incroyable. Il les a froissés, et donc forcément, derrière, quand tu joues au même niveau ou même tu es meilleur que les Américains de ton âge, évidemment que l'objectif suivant, c'est d'aller en NBA. Ça nous paraît évident. C'était tellement rare à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même pas mal d'Européens arriver, pouvoir tenir tête à des Américains. À l'époque, t'as eu les Schrempf, là, mais lui sortait de collège. Il est formé au State, ouais. Rick Smith sortait de collège. Ouais. T'avais Divac, les Sabonis, tous ces mecs. Mais des grands, quoi, NBA. Et qui ont fait des carrières en Euroleague, après qui allaient. Donc, ça a été ces générations-là. Ça a été Kirilenko, Dirk, Pau et Tipeee. C'est ces quatre-là. Ouais. Comptez vraiment les pionniers de la formation jeune, directe, européenne à la NBA. Bien. C'est eux les pionniers. Surtout qu'ils arrivent exactement au même moment en NBA. Hein. Quasiment, entre 1999 et 2001. C'est ça. Donc justement, c'est quand même bizarre qu'il arrive à sort l'INSEP, il arrive à Paris, il dit « je veux aller en NBA », il fait 2 saisons, notamment sa dernière à plus de 14 points par match, et donc il se présente à la draft, et il est drafté. Fin de premier tour, parce qu'à l'époque, oui, quand t'es un jeune de 19 ans qui met 14 points par match en croix, fin de premier tour. Aujourd'hui, t'es quasiment green room assuré, mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Et quelque part, la réussite de Tony Parker, elle fait aussi partie de ça, c'est qu'il tombe chez les Spurs. C'est les Spurs qui le sélectionnent. Et c'est vrai qu'on peut faire aussi là des débats. Ils auraient pu tomber dans des franchises de merde mal gérées. Qui savaient très mal gérer, notamment des jeunes joueurs étrangers. On en a vu d'autres se casser les dents. Mais Tony Parker, il est drafté par les Spurs. Et c'est quelque part la franchise parfaite pour lui, on a l'impression. C'est la franchise parfaite, mais tu vois, depuis 15 ans, enfin depuis qu'il est en NBA, je me suis toujours posé la question, est-ce que les Spurs ont fait Tony Parker? Tu vois, il est venu aussi fort grâce aux Spurs, ou est-ce que Tony Parker, quoi qu'il arrive, aurait performé en NBA? Et plus ça va, plus je choisis la deuxième solution. Alors, il y en a qui auraient pu se gâter, machin, nan. Je pense vraiment que Tony Parker avait en lui... Il aurait pu performer ailleurs, mais peut-être pas avec le même palmarès. Peut-être, mais moi, je te parle de performer, être dans un 5 majeur NBA. Où il a été 4 titres, oui. Tu crois que quelqu'un aurait laissé Manu être Manu? Non, mais peut-être, mais... En fait, c'est vraiment... Je pense que ces mecs-là, Ginobili, Tipeee, ces mecs-là, et les Spurs, en fait, les deux parties se sont fait avaient besoin l'un de l'autre. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Donc, c'était vraiment, vraiment ça, quoi. Donc, mais est-ce que tu penses pas... T'as raison entièrement, c'est un match parfait. Mais est-ce que tu penses que si Tony Parker avait été drafté par n'importe quelle autre équipe, qu'il avait eu un minimum sa chance, il n'aurait pas, quoi qu'il arrive, saisi? Alors, il aurait peut-être pas eu 4 bagues NBA. Non, mais ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas eu 4 bagues NBA, ou alors il est Kobe et Shaq, tu vois. Mais je te parle d'être performant NBA, d'être un jour installé dans un 5 majeur, ce qui aurait déjà été incroyable à l'époque. Moi, je pense qu'il aurait, qu'il aurait performé n'importe où. Oui. On est tous d'accord. Et qu'il aurait été All-Star même n'importe où. Oui, oui. Au moins une fois All-Star. Vu le bonhomme que c'est, je pense aussi. Ça, oui. Et même dans d'autres équipes, il aurait pu monter limite à 28-29 points de moyenne. Non, c'est beaucoup. Non, il aurait pu. En tout cas, 23. Oh, il a fait les saisons à 22, à 100. Il aurait fait
28 points, les gars. Saison à gros score. Ouais, 28. Ouais, 28 25 points. Voilà, il a fait plus de saison à gros scoring plus souvent. Oui. Ouais, ça, c'est ça. Ça oui. Il aurait été à 23 points 3-4 fois dans sa carrière. Ouais. Il n'empêche que le début avec les Spurs, c'est pas si simple, parce qu'il est drafté, certes. Donc, fin de premier tour, on dit 28e place. Il arrive dans l'effectif des Spurs. Popovic, il n'est pas spécialement convaincu. Il y a dans les excellents papiers de l'équipe, d'ailleurs, il y a Popovic qui dit, moi, la première fois que je le vois, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, j'en veux même pas. Au premier entraînement, qu'est-ce que tu m'as fait. Et puis, donc là, on voit ses stats quand il est rookie, c'est une bonne saison rookie. Et puis surtout, devant lui, il y a quand même un vétéran qui est Terry Porter, qui est ancien quand même lieutenant de Clyde Drexler, qui a fait les finales face à Jordan, rien que ça. Et puis il y a Antonio Daniels, qui est un meneur, qui est un vrai meneur installé, juteux, deuxième meneur qui met du jus. Le fait est que Terry Porter se blesse, que Antonio Daniels est en concurrence avec Tipeee, et que Tipeee, en une quinzaine de matchs, le graille et devient titulaire, quoi. Et avec Duncan et Robinson. Et Duncan et Robinson. Qui sont deux monstres. Il faut s'imposer avec les deux, quand même. Et la première année, d'ailleurs, Duncan, Parker dira, Duncan ne m'a pas adressé la parole de toute ma première année. Quand j'entends des trucs comme ça en NBA, je me dis, mais toi, il n'y a que toi là-dessus qui peut nous dire, mais comment ça se fait qu'en NBA, dans des équipes, il y a des mecs qui ne parlent pas à d'autres mecs. Lui, il tombait dans une armada directement. Moi, on était la plus jeune équipe de l'NBA. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc la mentalité était différente. J'ai jamais vu ça, quoi. Un mec qui ne te parle pas pendant un an, gros. Au revoir. J'ai eu un mec qui ne parlait pas beaucoup. Qui là, tu peux l'assumer. C'était Sacha Pavlovic. Sacha Pavlovic. Pourquoi il ne t'aimait pas Non, moi, on se parlait, mais c'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup. Il était trop timide. Ouais, c'était plus la timidité. Parce que moi, je parle de mecs qui ne te parlent pas de mieux, parce qu'en fait, t'es un mec un peu, t'es jeune ou du bout du banc. Est-ce que c'était pas un test aussi pour Tim Duncan? Lui dire, laisse-moi voir ce qu'il a. C'est Tim Duncan quand même. Ben, va à RMC pendant une semaine, tu ne parles pas à une personne, mais vraiment, ne pas lui parler, ça me paraît énorme déjà. Je ne suis pas Vincent Moscato. RMC, Tim Duncan, c'est Vincent Moscato des Spurs, gros. Donc, il peut s'il veut. Il doit être content, Tim, chez lui. On a quand même réussi à lâcher Vincent Moscato dans une émission hommage à Tony Parker. Tim Duncan et Vincent Moscato. On avance dans la carrière de Tipeee, donc il s'installe finalement très vite dans cette rotation dans cette équipe des Spurs. Et puis derrière arrive pareil très vite 2003. Et les champions. Premier titre NBA, quoi. Au bout de deux ans, NBA. Premier titre NBA, c'est face aux Nets. C'est face aux Nets, il est en bugne avec Jason Kidd, qui est le meilleur meneur NBA de l'époque. Il sort les Lakers en deuxième tour, en demi-finale de conf. Regarde, Tom. En équipe, gros, t'es pas fait péter les hucs. Je sais quand il gagne, en fait. De toute façon, on reviendra sur les premières finales de Tony Parker. Donc les premières, c'est Jason Kidd en face. Et la deuxième, Chauncey Billups. C'est Chauncey Billups. Un peu plus dur face à Chauncey Billups. Il souffre, mais même face à Jason Kidd. La défense de Jason Kidd, il souffre, mais. Ce qui est fort avec Tony Parker, c'est qu'il souffre, mais il n'est jamais cata. Non. Il a toujours un niveau linéaire. Après, à l'époque, on sait que Ginobili commence à éclore, qu'il faut foutre la balle à Duncan qui marche sur tout le monde. Mais Tony, qui souffre sur ses match-ups parce que face à Jason Kidd, il est dominé. C'est normal. C'est le meilleur meneur de la NBA à l'époque. Il est face à Chauncey Billups, il est dominé physiquement aussi. Mais en tout cas, lui, il continue à faire des stats Tony Parker. Dominé, mais il ne se fait pas casser la gueule. Il continue à mettre des panetons et à faire jouer ses gars. Ouais. À l'époque, le style offensif des Spurs est quand même hyper archaïque. Que du demi-terrain, que de la balle poste bas, soit pour Robinson, soit pour Tim Duncan. Bon, évidemment, ça a marché. Mais Tony Parker, surtout avec le temps, leur a ramené cette vivacité, ces moments de folie. Bon, avec Manu aussi, mais dans la transition, il a apporté de la vitesse au jeu. Il n'y en avait pas du tout à la balle. Là où il était fort, c'était quand la NBA avait deux big men. Il était toujours dans les meilleurs pourcentages. Oui. Il a toujours été à 50%, alors qu'il y avait Mutombo, Shaq. Il est dans son prime maintenant. Avec les espaces. Là aujourd'hui, il pourrait marquer 27 points. Là, oui. Ouais, je suis d'accord. Là, oui. Oui. Là, oui. On se souvient quand même de ces N1 sur le Shaq. La photo avec le Shaq encadré, qui est merveilleuse. C'est pas pareil, parce que là, tu avais Duncan et Robinson, ils tournaient quand même à 58%. Mm. Dans un basket figé. Voilà, pour un meneur. Ouais. Avec du monde dans la raquette. Là, c'est tellement espacé. Donc, pour le petit truc sur 2003, du coup, les Spurs battent les Lakers 4-2 en demi-finale de conf. Et en finale de conf, ils battent 4-2 les Dallas Mavericks de Steve Nash et donc de Stephen Brun. Rien que ça. Je me permets de t'interrompre. Il y a aussi cette évolution de Tony Parker, ces 2-3 premières années en NBA.
pas du tout respecté sur le tir extérieur. On voit des mecs qui défendent, qui passent en dessous des écrans systématiques, qui défendent carrément dans la raquette. Manque de respect. Type Rajon Rondo. Et il y a ce travail. Là, on parle d'un énorme travailleur. Il prend Chip Englund, c'est ça, parce que je le prononce bien. Coach spécialiste du shoot. Et il bosse. Moi, je le voyais dans les rassemblements d'équipe de France. Il était là, Chip. Il arrivait 2 heures avant à la salle où on arrivait. Il était là à faire des mécaniques de tir pour, justement, quand il billait, les mecs le respectent un petit peu plus. Et après, on l'a vu sur la suite de sa carrière. Il loupait plus un tir à 4-5 mètres. Les petits joueurs, avait son mid-range quand ils étaient partis à gauche. Oui. C'était son tir. Il y a un moment charnière sur son travail. Il y a un moment charnière, j'ai l'impression, sur son tir. Voilà, c'est... Moi, il y a un truc avec Tony Parker qui est un peu bizarre. Alors, oui, on l'aime et tout. Moi, au début, j'étais un peu réticent. J'avais du mal à kiffer de ouf Tony Parker quand j'avais 15-16 ans. Mais il y a eu ce moment charnière où il a commencé à mettre des tirs. C'était quoi, avec l'équipe de France, quand on est en galère, on va en Italie et tout ça, non? Ah non, non, peut-être que tu étais déjà là. Mais il y a un moment, avec l'équipe de France, en été, où il commence à mettre des tirs à gauche. Dès qu'il tirait, il y avait panier, tu vois, il y avait des 3 points incroyables. Ah, c'était 2011, là. Mais c'est même un peu avant, non, où il commence à mettre des jeux. 2009, ouais, mais ça a été 2011, ou 2011-2013. J'ai le souvenir, moi, que c'est peut-être un tout petit peu avant. En tout cas, c'est vrai que cette évolution au tir, qui est totalement surprenante, en général, les joueurs progressent dans l'adresse au fil de leur carrière, mais de changer complètement ta mécanique de tir pour devenir un joueur respecté à 3 points, on ne dit pas que c'est un grand shooter à 3 points, mais c'est un joueur qui est devenu respecté, surtout dans le corner, il aimait bien tirer dans le corner, c'était un peu plus proche. Mais c'est vrai que ce type de changement de profil, mine de rien, pour un meneur de jeu, c'est très rare dans l'histoire, et ça montre encore une fois son mental de ouf. Rajon Rondo n'a pas réussi. Rajon Rondo n'a jamais essayé. On a fait donc la première finale en bugna-bugna avec Jason Kidd, la deuxième en bugna-bugna avec Chauncey Billups, et la troisième en 2007, le Masterclass. Alors, il n'a pas de fort meneur en face. C'est Daniel Gibson. Bon, il est gentil, hein, notre il est ami, gentil, hein. Il met un peu de jus. Grosse carrière d'ailleurs après. Et là, pour le coup, c'est troisième titre déjà en 2007 pour Tony Parker. On rappelle qu'il arrive en 2001, hein, donc 6 ans plus tard, il est déjà 3 titres, donc il gagne quasiment une année sur 2. Et surtout, il est MVP des finales. Il est MVP des finales. Incontestable en plus. Quoi. Ouais. Steph, tu as eu la chance, toi, d'assister à un ou deux matchs là-bas, deux sur premiers. Place avec San Antonio. Les deux premiers. Chez Tony Parker. Ouais, les deux premiers où, déjà sur le match 1, il fait un match incroyable. Et moi, j'étais avec Mamoutou, Diarra, Thomas Dubié, il y avait Babac qui était là aussi. Et il y avait TJ, bien sûr, ses frères. Et on se disait, putain, le con, gros, s'il fait encore 2-3 matchs comme ça et que les Spurs sont champions, on se dit, il va peut-être être MVP des finales et tout ça. Match 2, il détruit encore le truc. Et là, on se disait, oh, le bâtard. Et il était trop fort. Bon. Ouais. Il était trop fort. C'était l'option numéro 1. Tim Duncan était encore là. Tim Duncan était encore à son prime en 2007. Mais c'était Tipeee qui jouait les ballons. C'était le go-to guy. Popovic, je le voyais sur le banc. Parce que moi qui adore, je regarde tout. Moi. Je voyais Popovic qui annonçait tous les systèmes pour Tipeee. Et il détruisait les Cavs. Et là, on s'est dit, à un moment donné, match 2, il mène 2-0. Il est trop fort. On buvait des canons avec Babac. En plus, les binous là-bas, c'est pas des. Ouais, sont, t'en prends deux. T'es... Maxi Best-of direct. Et on se disait, il va être MVP des finales. Et c'était irréel. Bon. Il finit sur cette finale à 24,5 points, 5 rebonds, 3,3 passes. Mais c'est vrai qu'ils se font sweeper. Il y a une différence de niveau incroyable avec les Cavs. Mais en fait, dès les deux premiers matchs, tu sais que ça va être lui le MVP. Et c'est vrai que ce que j'ai adoré moi aussi dans cette ère Spurs, c'est que clairement au début, il y a eu l'ère Duncan, Robinson Duncan en go-to guy. Puis ça a évolué tranquillement, encore plus après ça, vers Tony Parker, première option offensive. Puis Manu Ginobili dans un troisième temps, première option offensive. Puis Kawhi. Plus Kawhi Leonard à toute fin. Mais c'est vrai que ce moment, c'est... En fait, c'est totalement inimaginable. Bon, pour le moment, j'ai un drapeau de la France autour du trophée. Frisson direct, c'était inexplicable, clairement. Toi, tu venais d'arriver en NBA en plus à ce moment-là. 2007, non, je suis arrivé en 2008, moi. Tu suis bien sur les dates aujourd'hui. Je suis arrivé un an après, t'es très fort. Ouais, ouais, t'étais au Mans avec Vincent Collet. Ça, bon, ça monte. Ça va, l'info. Avant la NBA, c'est le Mans Vincent Collet, on est d'accord, quoi. Les gens qui nous regardent, ils savent pas que c'était qu'il jouait MSB. Les gamins de 14 ans, ils savent pas qu'il jouait. Bonne info, Steph, alors. Quel souvenir tu gardes de ces finales NBA, toi? Toi qui es justement à l'été où tu vas te faire drafter, donc. En étant en équipe de France, moins de 19. Je me rappelle, on préparait les Coupes Championnats du Monde, moins de 19 ans, ouais. Et voilà, ça sort, nous, on est tous ensemble, donc du coup. Moi, j'avais 18 ans à l'époque. J'avais 18 ans, donc moi, je venais de faire le Loop Summit aussi. Donc, toi, j'étais un peu. Moi, j'étais à ce moment où, justement, j'étais parmi les prospects quasiment sûrs d'aller en NBA. Donc, je me dis, waouh, toi, les Français sont capables de faire ça, quoi. Donc, j'avais. Ça donne des idées. Bah ouais, tu te dis, en fait, je vais pouvoir y aller pour jouer, quoi. C'est pas rester sur un banc, quoi. Bon, lui, c'était MVP, mais des finales NBA. Mais tu te dis, maintenant, en fait, on peut vraiment aller en NBA. Enfin, moi, dans ma tête, je dis, je peux aller en NBA et jouer, pas être sur le banc et attendre que ça se passe et rentrer au bout de 2 ans. Non,
Et toi, c'est ce qu'il disait quand il dit la voix, en fait, il a inspiré, comme quoi, qu'on dit plus tôt, c'est qu'on peut aller là-bas et jouer et exister, quoi. Après, eux, lui, Dirk, ce mec-là, c'est des fous, ils ont fait des trucs, mais... Mais après, c'est de jouer, quoi, de faire une carrière de 10, 12, 13 ans et de jouer tout le temps et d'avoir un rôle dans des équipes pendant 10, 12, 13 ans. Et c'est ça où il a été très, très fort. Dis-moi, si je me trompe, mais on a l'impression que Tony Parker, il a aussi crédibilisé le basket français, la formation française. Est-ce que toi, quand tu es arrivé, tu as dit « Ah, je suis français », les mecs disaient « Ah oui, mais Tony Parker… » Bah, c'est ça, bah, bien sûr. Bien sûr, ça sont lui, après Boris derrière aussi, et Ronnie et Mike. Ces quatre-là, c'est vrai que dans les années 2000… Mike Pietrus, hein. Mike Pietrus. Dans les 2000, elle était quand même assez crédible en NBA pendant toutes ces décennies. Ouais. Les quatre étaient crédibles. Les mecs et donc, final, le mec qui fait finale, Ronnie les champions, ouais, des rôles importants. Ouais, et puis des rôles, quoi. Ils sont tous. Ben, à part Ronnie qui n'est pas dans le 5 avec Miami, qui est dans Miami. Mais Lakers, il jouait un peu. Oui. Les role player, je veux dire. Il a été dans les Lakers, il est en finale. Non, il va en finale 2008, je crois. Oui. 2008, il perd, mais il joue. Mais Mike est dans le 5. Baba, qui était MIP, il avait un rôle avec Phoenix, qui était la meilleure équipe singulière pendant un moment. Tipeee, c'est Tipeee. Donc, du coup, moi, je le ressentais. Il y avait cette petite hype. Parce que cette hype autour de la French Touch, parce que moi, c'est la période entre 2006 et 2008 où je fais l'Euro moins 18, on est champion, je suis MVP du tournoi, j'arrive en Euroleague, et là, tu te rends compte que comme Tipeee ou ces mecs-là taf, et bah, dans la salle, tu avais 10 scouts par match. Mais c'est une chose où on m'expliquait qu'il y a même 3 ans auparavant, ça n'existait pas. C'est vrai que la réalité, c'est que les premiers qui y sont allés, Tariq Abdulouad et Jérôme Moïseau, sont passés par les facs aux États-Unis et donc ont accédé à la NBA. Moïseau fait UCLA et il en fait deux. Et Tariq Abdulouad fait Michigan et San Jose. Ok, mais en tout cas, il passe. Et c'est vrai que c'est aussi l'avènement, Erwan l'a dit, de la formation française, donc l'INSEP. Ils ont créé une hype. La hype, centre de formation, donc le MSB. Nous, on fait la semaine des As à l'époque, la Leaders Cup, où c'est vrai que comme c'était la suite, après il y a eu Yann qui a été drafté, Mike Gélabal, et en fait... Alexis et moi, on arrivait derrière. Et ce qu'on me disait, c'est que là, en fait, je crois qu'on a commencé, en fait, Alexis et moi, à faire naître la hype avec MITP de « Ok, maintenant, la France est un marché à découvrir ». Et c'est, je pense qu'Alexis et moi, où on avait le plus de scouts, je crois, hors Boris. C'était rare, maintenant, à l'époque. Quand il y avait un scout, c'était oh, « putain, la semaine des As à Toulon en 2007, où Alexis t'avais une... Alexis moi, j'ai joué en premier, que j'ai le premier match, et Alexis, c'était le deuxième. Tu avais une tribune, c'était toute la Ligue. NBA, pas la finale de basket. Non, tout NBA. Ça, c'est grâce à Tony Parker. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, parce que s'il n'avait pas fait ça, tu n'as pas une tribune à la semaine des As qui est remplie de scouts. Donc tu vois, l'impact, il est quand même... Bien sûr. Il est monstrueux, quoi, bien plus que ce qu'on peut imaginer. On avance, 2007, troisième titre de Tony Parker. Et puis ensuite, il ne retrouvera pas les finales avant 2013. Oui, mais en revanche, sur cette période 2007-2013, c'est meilleur. Voilà. Et ça, c'est aussi important à dire. C'est quand même Tony Parker, le joueur européen ou hors États-Unis, qui a marqué le plus de points sur un match. Donc oui, on va le rappeler, 55 points. Après deux prolongations. Après trois, ah, oui, voilà. Mais bon, ça c'est... Ouais, mais c'est puisque le deuxième, c'est 53 points, un certain Stephen Brun venu d'Allemagne, un peu plus grand et un peu meilleur shooter. Et le troisième, de mémoire, c'est Yanis, cette année, qui a mis 52. 52, je crois. Ouais. J'ai regardé tout à l'heure, 52 points. Donc Tony Parker a aussi ça en lui, d'être le mec qui détient le record de points sur un match. Et 55, c'est quand même une marque. Mec, c'est une marque extraordinaire. Et puis donc il devient All-Star. All-Star confirmé, 6 fois All-Star dans sa carrière. Ouais. C'est pas deux fois. Jamal Magloire. Hein. C'est énorme, quoi. Pas Jamal Magloire. Hein. Mais au détriment d'ailleurs de... Popeye Jones. Au détriment de Manu Ginobili, parce qu'on sait que c'était toujours soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Et donc on en a parlé ensemble. C'est son seul regret, c'est qu'ils n'ont jamais eu les 3 en même temps. Non. Tim, Manu et Tony. Et ça, c'est leur seul regret. Tu m'étonnes. C'est vrai que les 3 ont eu 4 mecs. Atlanta, ils en ont eu 4. Mais dans une conférence Est. Tous les 3, ils n'ont jamais été tous les 3 All-Star en même temps. C'est leur petit regret. Ouais, c'est leur regret. Tu m'étonnes. Ouais. C'est vrai que ça, il me l'a dit. L'un ou l'autre. Oh, ça, je peux le dire, mais ça, il me l'a dit. Ça. Mais 6 fois All-Star, c'est énorme. Oui, c'est incroyable. C'est que tu es. Conférence Ouest, en plus, où les meneurs sont plutôt Il y a au moins 2 fois, il me dit, c'est fait avoir. Donc, il peut être à 8 à l'aise, quoi. Après, il y a de la concurrence, ça fait du jeu. Après, il y a la hype auprès du public aussi. Ah, apparemment, avec Kyrie Irving aussi, qui dans la conférence Est. Très bien. Donc,
Il retrouve les finales en 2013. Entre-temps, évidemment, il fait des stats incroyables. Il fait sa meilleure perf en carrière avec ce match à 55 points. Je crois que c'est Luc Ridnour encore. Je crois que Ridnour, il a toujours aimé le froisser quand même. Hein, ouais. Ses premières perfs en playoff, on rappelle, c'est contre Seattle et contre Gary Payton et Luc Ridnour en backup. Ce fameux cross à gauche là-bas. Là. Donc 2013 et ses finales, terrible pour lui. Parce qu'il est MVP. Parce que s'il n'y a pas ce tir de Realen, on a presque envie de dire que c'est lui le MVP des finales. Il est sur la photo de Realen. Et en plus, photo catastrophique. Et il est sur la photo. Alors, Tom a pris cette photo-là. Et juste avant, on a la photo où il est sur le tir, quoi. Ouais. Ah oui. Et le truc, c'est qu'il met ce panier au match 1, au match 2, à une seconde de la fin. Match 1. Qui est sa plus grande action. Où il tombe à l'arrêté trois fois. Avec LeBron qui fait un peu n'importe quoi et qui marque avec la planche un panier incroyable. On se souviendra aussi que après ce tir, il a un tir dans le corner contré par Chris Bosh, qui fait 8,50 m sur l'action et qui vient le contrer. Mais non, juste avant, il met des TG. C'est Danny Green qui compte. Non, je suis sûr qu'il y a, y a Tony Parker. Danny Green, tu penses? Moi, je vois un compte de Tony Parker. Ah, mais non, sur le drive, sur la gauche, t'as raison. Putain, ça va. Aujourd'hui, je suis bien dans mes trucs. En tout cas, moi, Tony Parker, juste après, remonte la balle juste et avant, se fait contrer quand même. Juste avant, en tout cas, juste avant la balle ce tir-là, quelques secondes, quelques minutes, allez, peut-être une minute avant, il met un tir plein fer, corner, à 3 points. Même contre l'Espagne. Sur le step back, là. Même contre l'Espagne. C'est ça. Avec l'équipe de France. Et là, on se dit, non seulement les Spurs vont gagner, il va être MVP. C'est Tony qui va être MVP. Enculé. On se dit, oh là là. Mais le tir qui limite tue le match. Et après, on a l'impression qu'après Popovic, il coach, je sais pas trop compris ce qu'il a, parce que pour moi, ce titre de 2013, il est dans la poire de Popovic plein fer. Tu laisses Duncan. Parce que quoi? Tu laisses Duncan. Duncan n'est pas sur le terrain et que Chris Bosh prend le rebond Duncan. Et puis il donne. Il a toujours donné beaucoup de crédit à Ginobili et avec beaucoup de succès. Là, sur ces finales-là, c'est pas le meilleur Dino. La réalité des coachs, quand même, et surtout les coachs ancestraux importants qui connaissent les joueurs parfaitement, Vincent Collet aussi, lors de l'Euro avec Tony Parker, ont tendance à faire confiance à leurs mecs qui les ont fait gagner à de multiples reprises. Oui. Non, mais quand tu vois, c'est difficile de partir un mec. Quand sur 15 ans, sur une période peut-être très courte, parce qu'on verra d'ailleurs par la suite que Ginobili reviendra très fort, notamment sur les finales un an plus tard, mais qu'il dribble trois fois sur le pied, tu as le droit de dire c'est peut-être pas un bon moment pour lui. Non. Un garçon comme Manu Ginobili et Popovic le sait très bien, que peut-être il peut te faire trois couillonnades, sauf qu'il va prendre un step back que personne ne prendra leur vie avec sa tire à gauche. On va pas revenir en 2015, mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit, moi, après la demi-finale. Oui. Quand Vincent s'est fait, parenthèse, que s'est fait critiquer, pourquoi il n'a pas sorti Tony. Moi, tout le match, je me suis dit, la prochaine action, la magie revient. Quoi. On se dit tous la même chose. Donc, sur le moment, tu peux rien dire, parce que je lui dis, ça y est, Nico, ça va revenir. On savait aussi qu'il revenait de blessure, que les Spurs lui avaient fait un programme de prépa où ce n'était pas du tout prévu qu'il soit bon physiquement à ce moment-là. Et que c'est d'ailleurs, quand on voit le début de saison NBA qu'il fait dans 2015-2016, il est en pleine bourre. Donc les Spurs l'ont bien... Tu sors Tony Parker, demi-finale, non. Devant 30 000 personnes, non, mais vaut mieux gagner. À domicile. Mais moi, j'étais à la salle, donc oui, non. Quatrième carton, ma chérie. Nico, si tu gagnes, ça change tout. Si tu gagnes, ça change tout. Tu sors. Si tu gagnes, ça change tout. Tu sors. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. T'es Vincent Collet sur le banc, coach qui devance à ce moment-là. Tu sors Tony Parker. Je suis pas Vincent Collet. Moi, tu sors pas. Personne. Ah, tu sors et tu perds, c'est encore pire. Les gens, tu perds plutôt que le sortir. À partir du moment où tu perds. Le sortir, pas genre je le sors du banc. Mais pas genre je le sors du match, mais je le fais déjà un peu plus souffler à un moment donné. C'est qui est. Non, il prend pas Thomas Hurtel. C'est Léo. Il y a Mam Jaïté et Léo Westermann sur le bout du banc. Il a été bloqué par le club. Ah, bonne info. Thomas avait été bloqué à l'époque. Parce que quand Antoine se blesse. Il est où à l'époque, Thomas? Il fait Spissen. Ah, l'Anadolu. Il est dans les montagnes en stage. Oui, exact, en stage. Et il bloque Thomas. Bref, on reviendra tout à l'heure sur les meilleurs et les pires moments de Tony Parker en équipe de France. Donc là, il y a ces finales terribles de 2013. Et d'ailleurs, pour revenir sur ces finales, c'est un traumatisme pour ses frères, TJ et Pierre, qui sont là-bas, qui sont prêts à célébrer. La sécurité qui met le truc, parce qu'ils pensent que les Spurs vont y gagner. Il y a le champagne qui est à moitié sorti, les t-shirts et les casquettes. Et là, tout s'effondre. Moi, j'étais prêt à faire un boxon. Moi, j'étais avec mes cousins, j'étais avec tout le monde. Quand je bossais, on a fait un week-end à Vegas. Donc, on regardait ça. Et quand tu parles, on était prêts à. C'est un traumatisme. On était en train de faire. C'est incroyable. C'est terrible. Et la force de caractère de Tony Parker et des Spurs, c'est qu'un an plus tard, alors qu'on s'y attend pas, on a l'impression que on est triste pour Duncan parce qu'on se dit ah c'est dommage, ben plus jamais. Ah, ça fait 3 ans qu'on dit qu'ils sont cramés. Hein. Ouais, et finalement l'année d'après, il gagne. Là, il y a pas 4-3, il y a 4-1. Ils les détruisent, ils mettent fin au règne de Miami et de LeBron James. Ils gagnent 4-1 et donc quatrième titre pour Tony Parker. Cette fois, ça sera son dernier. Là, il fait des finales
correct. Correct, mais il n'est pas vraiment dans la course. Pour Boris, il gagne avec son pote Boris. Il gagne avec son pote Boris. C'est Kawhi le MVP des finales. Et c'est Kawhi le MVP des finales. Donc, quatrième titre pour Tony Parker. Et là, j'ai envie d'arriver un petit peu sur la fin de cycle des Spurs et la fin de Tony Parker avec les Spurs. Boris est transféré. Tim Duncan prend sa retraite. Manu Ginobili est lui sur la fin. Et là, on a l'impression, moi j'ai l'impression personnellement, il que Tony Parker, il se blesse certes, mais il revient. Et on a vu que cette année, il en avait encore sous le pied. J'ai l'impression quand même qu'il n'a pas eu le crédit qu'il aurait mérité au vu. Le même que Manu, ouais. Il n'a pas eu le même crédit quand même que Ginobili a pu avoir. Je pense que la blessure a joué un gros facteur. Il ne se blesse pas, il finit aux Spurs. Le truc, c'est qu'il se blesse en playoff contre Houston. Il revient l'année d'après. Bon, il faut revenir d'une blessure comme ça. Et là, il est en free agency. Et en fait, c'est là où les Spurs, je pense, lui proposent troisième veneur, où on veut mettre Murray devant et tout ça. Mais lui, dans sa tête, il fait 1-1. Moi, je peux jouer encore. Mais en fait, c'est pour ça qu'il est venu à Charlotte. Je pense qu'il voulait aussi pour lui prouver un peu. Pour moi, c'est la même chose que Dwayne Wade. Ils sont partis sachant qu'il peut jouer encore un an. Il peut jouer encore un an. À l'aise. Ah, mais je pense, ouais. Mais il préfère partir comme ça. Parce qu'il a fait des matchs cette année où il nous fait gagner. Ah, nous quand Kemba, il se met à gauche. Quand on est vous voir à Brooklyn cette année, on voit la première mi-temps qu'il fait. Il y a D'Angelo Russell en face. On est scotché. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est fort. On bat Boston à domicile. Dernier quart temps chaud. Kemba, il fait tiens, Tipeee. Hein. Tipeee gère. Kemba était sur le côté. Hein. Mais là où Erwan a raison, c'est vrai qu'il y a une friture, et peut-être que Tony en parlera, ou toi, tu peux en parler si tu veux, mais y a quand même, c'est quand même un truc un peu dommage qu'il ne finisse pas sa fin de carrière aux Spurs. Mais c'est vrai que cette dernière saison, que moi j'appelle une saison un peu revanche quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une saison revanche, où il a besoin de prouver qu'il peut encore jouer, donc quelque part, il a un truc à prouver, même s'il est fait de ça, il a un truc à prouver autre part. Ce match à Brooklyn, où on a la chance d'y être, moi, ça fait partie de mes grands moments de spectateur de basket où je me dis, je suis très content d'aller voir Tony Parker et Nicolas Batum à Charlotte dans une très belle salle du Barclays Center. Mais à aucun moment, j'imagine que vous, tous les deux, sur une mi-temps chacun, vous allez être aussi forts. Sur la première mi-temps, Tony Parker, c'est le go-to guy. Alors Kemba est incroyable, mais décroche, on est content, on a 12 ans et demi. Mais Tony est extraordinaire de maîtrise Tony, et décroche le ballon. Le gars, il a envie de jouer, il a envie de game et il est inarrêtable et pourtant il est censé être sur le déclin. Et donc c'est vrai que c'est un petit sentiment de. Je suis content pour lui de l'avoir vu faire ça, quoi, et d'avoir été aussi bon. Cette fin en Spurs, elle te laisse un goût amer ou finalement c'est comme non, ça bien sûr, bien Est-ce sûr. Qu'il n'aurait pas mérité d'avoir un. Si. Parce que Nico dit il se blesse, mais justement, quand tu es Tony Parker et que tu as fait 17 ans en Spurs comme ça, est-ce qu'une simple blessure, on doit te dire, bon, vas-y, je te file troisième honneur. Non, mais c'est un changement de cycle. Après, oui, ce que j'allais Kawhi dire. Il ne draft pas un meneur top 5 de la draft. Kawhi part. Duncan est parti, Ginobili prend sa retraite, Tipeee connaît plus personne. Mais de là ce qui est. Tu sais que le karma, quelque part, pour les Spurs, parce que Dejounte Murray se. Oh, ouais. Ils ont galéré. Voilà, ouais. Non, mais le truc, j'aimerais pas parler avec lui, mais le fait qu'il n'y ait plus personne de l'historique Spurs, ça a joué. Ça a joué. On a des regrets, oui, on est nostalgique, on aurait voulu le voir finir aux Spurs, mais c'est notre vision aussi française. Et quand Tony arrive sa saison rookie et que tu dis à Terry Porter, Anthony Daniels, Greg Popovich, ces deux-là, il les a mis sur le côté pour lancer un gamin de 18 ans. Et pareil. Là, c'est pas la suite logique. Il a peut-être vu dans le jeune White, il est drafté 28e. Tu dis, ils ont pas drafté des cadors. White est drafté tard. Mais White, il est pas prévu pour jeu meneur au début. Hein. C'est Murray et Mills, les deux. Mais peut-être que Popovich, comme il a eu, quand il a vu Tony faire ses workouts et quand ils l'ont drafté, il a peut-être une idée derrière la tête. Et avec White, on s'aperçoit que Popovich. Là, pour le coup, ils ont eu une lecture avec Greg White. C'est la suite logique. Mais nous, on est malheureux parce qu'il est français. Il aurait été américain et machin. Parmi mes petits regrets de Tony Parker sur sa carrière NBA, j'en ai deux. J'aurais adoré qu'il fasse les 20 saisons NBA, encore plus les 20 saisons du côté des Spurs. Ça aurait été merveilleux. Et le deuxième petit truc, c'est que j'aurais adoré qu'il finisse à 20 000 points marqués en saison régulière. Je vais regarder vite fait, il faut que je le retrouve. 19 473. Bonjour monsieur. Eh. Voilà, il est à 500 points d'être à 20 000. Il serait dans le top 50 de l'histoire de la NBA. J'en ai parlé. Il reste 500 pions, mon gars. 500, il fait. Bon, foot. Mais tu sais que Tony Parker. Normal, il me sort. Tu sais que sur les saisons régulières, Tony Parker est dans certains classements, mais surtout dans les.
Playoff, super, allons-y. C'est surtout en playoff, Tony Parker est très haut dans les classements parce qu'il a joué les playoffs toute sa carrière, sauf cette année malheureusement. Et regardez, 9e marqueur all-time de l'histoire des playoffs, 9e marqueur all-time. Donc on va, je ne vais pas vous faire la liste de tous les mecs qui ont joué les playoffs en NBA, mais ça classe le bonhomme. 5e meilleur passeur all-time, donc en playoff encore. Rendez compte, top 5, top 10, incroyable. 6e joueur avec le plus de matchs, donc en playoff, il est 226 matchs, donc 5 finales NBA. 3e joueur avec le plus de participations de suite, 17 saisons. Non mais attends. Mais c'est qui lui ? Non mais qui êtes-vous, monsieur ? 9e marqueur all-time. Ouais, c'est fou. C'est énorme. C'est ça, puis les 500 points, il a pas de regret de jouer une saison en plus parce que... Il s'est dit, si j'ai joué, il a autant gagné parce qu'il était managé par les Spurs, il ne jouait pas tel match. S'il avait joué une carrière normale. Il a mis 530 points cette année avec Hornets. Il sera à 22 000 points s'il n'avait pas fait un match où les Spurs le reposent pendant 3 matchs, back-to-back, il ne joue pas. 22 000, ça reste quoi, je veux dire, pendant 17 ans. Le truc, c'est ce que Tipeee à la fin, il fait. Ouais. Il y en a quatre. Dirk, c'est un endroit. Salut, ça fait une poignée de main bizarre. Après, c'est pas pareil. Duncan était quand même le go-to guy de cette franchise, comme Nowitzki l'était à Dallas. C'est très compliqué d'ailleurs, mais après, c'est des débats très intéressants à voir. Quel est le meilleur européen de l'NBA ? C'est vrai que beaucoup diront Dirk. On dira Dirk. Et même Tony ne se dira pas non plus contre ça là-dessus. Est-ce qu'on a eu un gros débat cette année ça doit dé... En fait, avec Arna Gomez, l'espagnol. Ah lui, il n'est pas au gazole. Qui est le meilleur entre gazole et le plus fort ou la meilleure carrière? Le meilleur européen de l'histoire en NBA. Donc tu prends tout carrière et niveau de jeu. Toi, tu dis qui toi? Bah, c'est Dirk. Tipeee dit Dirk aussi. Et Arna Gomez, il dit J'ai fait. Si on prend la FIBA en considération, il y a débat. Pau Gasol est dans le débat. Si tu prends la FIBA. Même si Dirk, il fait quand même médaille d'argent C'est ce que je dis, c'est que Dirk. Et l'Espagne, c'est le gros détour. Mais Dirk, si tu trades Dirk et Pau, est-ce que l'Allemagne a les mêmes résultats? Il est fort, Pau Gasol, en FIBA, les gars. Il est bien placé pour savoir. Il est extraordinaire, mais Dirk, il est troisième Coupe du Monde. Oui. Non, mais t'as raison. Qui était dans l'équipe? Patrick Femerly, il a des mots-là au Kouladja. Oh, non, mais d'accord, mais si tu donnes, tous les ballons à Pau Gasol, il peut aussi surperformer. Le truc, c'est que Pau, à cette époque-là, il ne s'était pas encore écarté. Oui, ouais, c'est vrai. Il jouait une série plus tard. Que l'autre, c'était balle à te mettre à 3 points, puis crosser, tac, fade, il dunkait, il était bou. Le problème, c'est que quand tu vois ces mecs-là maintenant, t'oublies qui ils étaient. Oui. Il y a 10-15 ans. T'oublies le Dirk de 2003. Dirk 2003, il montait bang sur 3 mecs. Ouais, finale de compte. Pour finir sur ce débat-là, est-ce que tu penses que Giannis Antetokounmpo est capable de détrôner ces 3 garçons-là? Oui. Mais il faudra des bagues. Non, mais lui, il est capable. C'est encore, on en a parlé. Par rapport à ce truc de Luka, tout ça, comme que peut-être le prochain plus grand, oui. Mais tu sais ce qu'ils ont mis en place? Va les chercher, cette génération-là, va les chercher. T'as vu tout ce qu'ils ont mis en place? Alors oui. Luka et Giannis ont le potentiel pour, mais il faut être ou MVP de la saison, ou MVP des finales, vice-champion olympique, ou champion du monde avec ta sélection comme l'Espagne. Tu vois le bordel. Et pendant 15 ans. Et faire ça pendant 15 ans. Ouais, voilà ce que les mecs ont mis en place. Ouais. Vas-y maintenant, Luka, Giannis, va faire ça maintenant. Ils ont le potentiel pour. Et je pense que Giannis va être MVP cette année. Mais MVP des finales, champion, plusieurs fois champion. Médaille olympique, deux ou trois finales olympiques de suite. Regardez les États-Unis à les yeux. Amener ton équipe seule à une finale de l'Euro, seule à un dernier carré Coupe du Monde, et être à 30 000 points, et vous mettre 40 points en sélection à 38 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, on fête les 8 ans du titre des Mavericks face à Miami. Tout ce qu'ils ont fait, il faut que Giannis et Lucas, enfin, je prends eux un exemple, il y en a plein. Oui, Théo Malédon, par exemple. Oui, non, mais. Bien sûr, je le souhaite. La base est là. Ouais, c'est clair. Donc, vous voulez ce titre-là, battez ça. Très bien. On va revenir à ça. C'est un très bon débat. On va revenir sur Tony Parker. Il faut qu'on aille vite. Forcément, on est obligé de parler d'équipe de France. Mm-hmm. Et je vais vous demander à vous,
les grands moments de Tony Parker en équipe de France, on pense forcément au titre avec l'Euro, il y a aussi de la difficulté parce qu'on rappelle qu'il arrive avec une génération, les mecs ont été les médaillés d'argent des JO de Sydney et la transition elle se fait... Elle est cata. Elle est très compliquée avec les Moussonko, avec Lolo Sarra encore, où là il arrive, où Tony Parker très tôt avec Michel Gomez, non pas Michel Gomez, Alain Vest qui est coach, il veut prendre le pouvoir, peut-être pas très bien à l'époque, on sait que certainement qu'il y avait des problèmes des deux côtés, mais ça se passe mal au début avec l'équipe de France. Nous ça s'est bien passé. Nous, quand Nando, moi, Antoine, tous ces mecs-là, Alexis, on est arrivés, c'est qu'on avait tous... On est arrivés en 2008, mais bon, en 2008, c'était les qualifs, c'était un peu bazar. Il était, ouais. Mais on va dire 2009, quand on arrive, ils ont dit, voilà ce qu'on a vécu, nous, quand on est arrivés. Voilà ce qui va se passer maintenant. Ils nous ont tous fait comprendre qu'ici, ce n'est pas les vacances, c'est qu'on va gagner des médailles. Ils nous ont mis dans le bain direct. Et c'est pour ça qu'on a été bons, en fait, pendant... entre 2009 et 2015, on fait des médailles. Et on est, voilà, on est bons, parce qu'ils ont appris de cette transition qui était un peu dure. Ils ont appris de 2003, 2005, 2007. Le boycott, là, contre l'Italie, il est incroyable. Alors, il est gif de 40 ouais, en poule et il perd pour aller au JO. Personne joue, Jenny. Oui. Ouais. Donc Moïso, Watt, Basile, le Basile, boycott qu'ils font contre l'Italie. Comme Galanda, il joue ouais, pas. Le boycott contre l'Italie qu'ils font avec Alain Veil dans le vestiaire qui dit je m'en souviendrai longtemps de celle-là, il y en a que j'oublierai pas. Et là, c'est ça. Moi aussi, je m'en rappellerai longtemps. Et ça, c'est les débuts de Tony Parker en équipe de France, quoi. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait du titre junior de 2000, qui pour lui est le début de quelque chose. Parce que, mine de rien, on vient de le dire, Tony Parker NBA, ben, c'est 4 titres NBA des finales. Mais l'équipe de France, c'est quelque chose qui ne l'a jamais abandonné. Et ça n'a pas été toujours facile. Parce que même, tu dis 2005, c'est la première médaille en 50 ans, mais ils doivent être champions d'Europe cette année-là. Clairement. Ils sont champions. Mais c'est là où ils perdent contre les Grecs. Les Grecs. Les Grecs, ils démontent, là, même s'il y a d'or, qu'ils les détruisent en finale. Ouais, ouais. Il est détruit. Claude, il ne fait pas kiffer. Hein, champion d'Europe. La dernière minute, elle est. Antoine, il ne met pas un lancer alors que toute sa vie, il a mis des flèches. Prendre sa vie. Aller faire faute sur les Grecs, pour les envoyer la ligne, il ne fait pas kiffer. Mais ça marche. La Lituanie, on l'a fait, on regarde Coupe du Monde. On gagne. Ouais, mais là, c'est les Grecs. Parce qu'on les met les lancers. Oui, tant que tu mets tes lancers. Je les ai mis. Ceux-là, je les ai mis. Meilleur joueur de l'histoire au lancer franc qui va se faire à chaque fois, qui est Antoine Rigaudot, gros. 2-4. Non, mais attends, c'est pas ça que je suis en train de te dire, que la France fait faute aussi sur les Grecs. Ils les envoient à la ligne au lieu de défendre. Mais c'est ce qu'on a fait, nous, en 2014. C'est la Lituanie. C'est la Lituanie. Nous, on a joué la veille à 22h. On est une défaite cruelle contre la Serbie. On rentre à l'hôtel, il est 1h30 du matin. Le lendemain, troisième place, elle est à 16h. Alors que les Lituaniens perdent 2 jours plus tôt contre les Américains. Donc eux. Ouais. Et on est en dernière minute. On tire. Et je crois qu'il y a 28 lancers francs tentés entre les deux équipes. Parce qu'on fait faute à chaque fois. Donc tu peux pas dire ça, Bergeau, on a pas dû faire ça, parce que nous, ça a marché. Moi, les gars, je vous invite chez moi, on va se faire le dernier carton. Ouais, mais nous, les amis. Le truc, c'est que c'est bien joué parce qu'il met ses lancers francs. Tonio a pris des connes. Ouais, le truc, c'est que Bergeau, il a fait la tactique. Vincent, après, il fait la même, entre, ça a marché. Entre Rigaudot qui joue ses lancers et l'autre Diamantidis, là. Avec sa main gauche. Donc, on est d'accord. Et Tony Parker, finalement, voilà, avec l'équipe de France, c'est un truc qui lui tenait à cœur. Mais depuis très jeune, l'Euro 2000, donc oui, ils sont champions d'Europe. Et ça faisait longtemps aussi qu'une équipe de jeunes n'avait pas été champion d'Europe. Et ça a ouvert la voie après sur tes générations, la génération d'Andrew Albicine aussi. Tu vois, il a influencé les équipes de France, pas que chez les seniors, aussi chez les jeunes. Nous, ça a été ça, parce que quand on est champion d'Europe junior 2006, l'année d'après, on est Coupe du Monde. On voulait gagner juste pour prouver qu'on était meilleur qu'eux. Vous faites quoi? Bronze? Bronze, on perd d'un point contre les Américains. De bâtard, hein, avec Moerma, Aginsa qui met son bras dans le cercle et tout là. Parce que leur meneur titulaire, Johnny Flynn, sort pour 5 fautes. Johnny Flynn. Et ils mettent leur petit meneur que... tête d'enfant là, qui nous met à 3 points, qui jouait pas. On est à +2, Diandré prend le rebond, il ressort sur ce gamin là qui a une tête d'enfant. C'est qui Stephen Curry. Ah. C'est là que j'ai connu. Ah, c'est lui qui vous flingue comme ça. Il était 3e meneur. Mais non. Derrière Johnny Flynn et Patrick Beverley. Ah ouais. Il était 3e meneur, au bout du banc. Il rentre parce que Johnny Flynn a 5 fautes. Bang! Déjà, le dagger. À l'époque. Oh la vache! Est-ce que le seul regret qu'on peut avoir sur Tony Parker avec l'équipe de France, c'est de ne pas avoir fait plus de campagnes olympiques
et de pas avoir fait une méda- pas avoir eu une médaille olympique. C'est ce qui manque, quoi. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. C'est 2012. De 2016, ouais. Avec les lunettes. 2016, c'était. 2012, c'est quand il a ses lunettes folles. Ouais. Après le. La, après le regret, Chris Brown et Drake. Le, pour moi, enfin, mon expérience avec Tony, le plus gros regret qu'on a, c'est 2012. Ouais. on pouvait pas aller au bout avec ça. Non, le truc, c'est qu'on commence, on fait une vraie, parce que le match contre les Américains. Vincent, Vincent, il le dit, on essaie une mi-temps. À la mi-temps, s'il y a pas. On balance, on bazarde. Voilà, on bazarde, ça sert à rien. Tu vois, vous vous amusez une mi-temps, on essaie à la mi-temps. À la mi-temps, c'est qui la mi-temps ? On dit, c'est bon. Parce que le match d'après, c'était l'Argentine. Et c'était ce match-là qu'il fallait gagner. Oui. C'était l'Argentine. Donc nous, on n'a pas forcé contre les Américains. On a essayé, à la mi-temps, on s'en foutait. Parce qu'il fallait l'énergie pour battre l'Argentine, pour finir deuxième, pour éviter les Américains jusqu'en finale. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et on est bien. De toute façon, on est sérieux en 2012. On bat l'Argentine, on détruit la Lituanie. Et puis on et vous jouez qui et... Qui avait traficoté Non, apparemment non. mais puis on fait un vrai match. Et dernier carton, mais plus un tir. Mais on fait un vrai match. La boîte sur Tony, elle est dure. Hein. La boîte sur Tony, et puis c'est vrai que, en fait, c'est une défaite tout à fait française. Avec Sergio Loul. C'est une défaite tout à fait française, c'est-à-dire qu'on peut être bon, on sera toujours bon défensivement, on aura des couilles par moment et tout. Mais au bout d'un moment, il y aura ce truc qu'on appelle aujourd'hui le Houston Rocket Show, c'est-à-dire que tu es capable de plus mettre un tir pendant tout un quart-temps dans un moment important et tu te fais battre là-dessus. Ça, c'est clairement typiquement français. Parce que si on est en train de dire, on est en train de le faire, quoi. On est en train de le faire. On va enfin les taper, quoi. C'est bâtard. Faudra attendre un peu. Avant 2013. On a attendu un an plus tard. Faudra attendre un petit peu plus. J'ai rajouté pour toi, c'est bâtard. Ouais, non, mais ouais, c'est peut-être moi. Enfin. C'est le seul truc que les Jeux Olympiques. Ouais, quoi. Ouais, on aurait imaginé une médaille olympique, c'était le Graal. C'est l'ampleur de sa carrière vu le. Une petite médaille, une petite médaille olympique, je pense. Broloc, même de bronze, ça passe. On n'aurait pas craché dessus. Ouais. Une petite question là, pour finir sur l'équipe de France. Est-ce que tu aurais préféré avoir une médaille olympique plutôt et bazarder le titre de 2013 ouais. De l'Euro? Parce que, oui, enfin oui. Enfin, entre guillemets, oui. Tu préfères des merdes. Hein. Parce que la meilleure campagne, je ne vais pas dire l'unanimité, mais quand on part avec lui, machin, c'est 2011 pour nous. C'est avec Noah. Alors, avec Tony, quand on parle avec Tony, il dit 2011, c'est 2011, la meilleure équipe. C'est la meilleure campagne. On est champion en 2013, mais la meilleure campagne qu'on ait faite, c'est 2011. Du début de la prépa, tous les matchs, tous les entraînements, j'ai jamais eu des entraînements de cette qualité. C'est vrai que Séraphin avait été très chaud. C'était n'importe quoi. Il avait été non, mais il y avait des duels partout. Ouais. On était tous en mode, voilà, on savait que c'était l'année où on pouvait faire quelque chose. C'était l'année qu'on pouvait aller directement en JO. Mm. On devait aller au JO. Donc, non, mais il y avait, moi, j'étais face à Gélabal à l'entraînement. Tu avais Babac face à Flo. Tu avais Ronny, Séraphin, Joachim à l'intérieur. Ouais. Tu avais jeune Antoine Diot qui n'avait pas du tout peur de Tony Parker, qui lui rentrait dans l'entraînement à Tipeee, ça le rendait fou. Donc, du coup, Tipeee l'attaquait. Nando qui était en mode, c'était Nando face à qui? C'était Causeur, je crois. C'était Causeur. Oui. Enfin, c'était que ça. Et puis ça a joué vraiment. Mais Charles aussi, que dit, non Charles qui venait d'arriver. Mm. Donc c'était vraiment. Il y avait Yak. Oui. Ouais. C'était que ça. C'était entraînement, c'était que ça. Et en préparation, on démonte tout le monde. Mm. On joue la Serbie, on leur en met 20. On explose tout le monde. La meilleure équipe de l'histoire des. Ah bah oui, mais de loin. Non, mais c'est pas celle qui gagne, tu vois, oui. Comme quoi. Bah parce que on perd. Pour moi, on perd deux matchs. On perd un match. Première poule, c'est la poule la plus dure qu'on ait jamais eue, que tu joues à la Lettonie. On était en Lituanie, mais à Lettonie, on était à la frontière. Donc c'est une sale Lettonie. Ouais, on était à la frontière à Lettonie, donc c'était à 20 minutes. Donc du coup, on était chez eux. Israël, il y avait 2-3 joueurs, il y avait Caspi, il y avait Blutenthal, il y avait... Il y avait tout. Bon, c'était une petite équipe quand même. Et tu tapes l'Italie au complet, l'Allemagne, Dirk, Chris Kaman, et la Serbie. Et on gagne tous ces matchs-là. Deuxième poule, on joue les Turcs. Kenter, Hachik, Erden, Turkoglu. Ilyasova. Bang. Kenter, à l'époque, Ilyasova. Il a le droit de jouer pour la Turquie. Ouais. Deuxième match, les Lituaniens à Vilnius. Dégage. Dégage. C'était que ça. Et après, bon, on joue l'Espagne. On a reposé Tipeee, on a reposé Joachim. Oui. J'ai joué 5 minutes. Babak joue 5 minutes. Enfin, on joue, mais après on est sérieux, parce qu'après la Grèce, et là on s'est un peu chié dessus. C'est le quart de finale contre la Grèce, et là on est chaud. Et là, les Grecs, c'est psychologique. Non, parce qu'on était tellement fort que si on perdait celui-là, on ne faisait même pas le TQO. La compète était morte. Ouais, même pas TQO. On était c'est la pression. Tout ce qu'on vient de faire. Ça servait à rien. On se joue là-dessus. Ouais. Et là, on est au premier mi-temps, on est nul à chier. Et t'as Nando qui arrive en mode sixième homme, qui met la cape, et puis qui nous sort du truc, et après on lance la machine.
Et en contre la Russie, on fait un vrai match. On fait un match de bout en bout, quoi. On les contrôle, ils étaient invaincus, la Russie. On fait un match de bout en bout, les contrôles, le dernier carton, Tipeee, moi, on fait les trucs, et puis voilà. Mais on était trop contents. On a fêté la qualif au JO, comme si on était champion d'Europe. Oui. Ah ouais, et ouais. Carnage. Très français, tout ça. Non, on n'est pas sorti. On s'est relâché complètement. Je me rappelle que le lendemain matin, moi, j'étais avec Andro Albici en chambre. Andro, on ne pouvait pas dormir. On était trop contents. On va au jeu, on est en finale, on vient d'écrire l'histoire. On est le premier à être en finale. C'était toi qu'on venait de faire, quand même. Ouais. Et ça marque pour un athlète. Alors qu'il restait d'Espagne. Et on avait day off le lendemain, parce qu'on avait 3 jours avant la finale. Donc on a day off. Donc tu pouvais descendre, d'étudage au cas où, machin. Mais on descendait. Le pire, c'est que tout le monde au déjeuner à midi. À 6h30 du matin, t'as tout le monde au petit-déj, parce que personne dormait. Même Joachim était là à 6h30. Tout le monde. Tout le monde, parce que personne n'arrivait à dormir. Alors qu'on est tous restés à l'hôtel. On n'a rien fait, hein. Mais parce que voilà, on était dedans, et puis on parlait, et puis dans nos têtes. Il y avait Jackie Comer qui préparait la vidéo contre l'Espagne, comment frapper ce fond, Cazorla. Après, non, mais après, on va les orienter après, de fond. On joue la demi-finale, c'est pas non plus, on n'a rien fait, on est dessus. On la joue pour gagner, on est à fond, on est concentré et tout, mais ils sont forts. Ils sont forts. Hein. Ils savent, ils ont perdu 2 ans avant une finale qui était chez eux, qui devait gagner. Donc ils ont la rage, ils ont ce que nous, on a en 2013, oui. En 2011. Et puis, c'est une bonne équipe. Et c'est une forte équipe. Et que Ibaka nous tue. Ibaka est extraordinaire. Ibaka apporte de la verticalité. Il met 3 contre les 2 dernières minutes. Ouais. Parce qu'on a des lay-up pour rester à 3-4 points. Et au lieu d'être à moins 2, moins 3, on se retrouve à moins 12 à la mi-temps. Et l'autre qui... Voilà, est-ce que tu réfléchis maintenant? Parce qu'il se finit à 6 contre, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as Pau et Marc qui sont extraordinaires. Navarro qui est intouchable. Parce qu'il marchait sur l'eau. Ah, écoute, arrête, tu me fais mal. Mais ça reste. Pour ça, je te dis oui, je trade la médaille d'or pour une Olympique, parce que pour moi, même si on est champion, 2011 est la meilleure campagne. D'accord. Les mecs, on a fait le tour. 2h30 d'émission. Ouais, c'était génial. Hein. On a fait le tour de l'énorme et l'immense carrière de Tony Parker qui va continuer. Et en 2011, c'est là où l'extraordinaire. C'est qu'il fait un premier tour de malade. Incroyable. Il marche sur l'eau. Et Tony Parker, de toute façon, qui arrête sa carrière de joueur, mais qui a avec toi pris la direction de l'ASVEL. Ça travaille. Et, ça sera l'occasion d'aller vous voir d'ailleurs à Lyon et de faire, faire un petit sujet là-bas. Ce sera une bonne chose à faire. On ne va pas se quitter comme ça, Nico, parce que tu sais très bien. On est tradition. Des gens de quiz ici. Tradition. Alors, on va faire 2 étapes. On a fait la première étape où Steph a gagné le point. Merci. On va vous faire des photos cachées de coéquipiers ou d'adversaires de Tony Parker. Et ensuite, on finira sur un qui suis-je. Adversaire. Qui est un coéquipier avec Tony Parker. Très bien. Adversaire de Parker. Il a joué 20 ans. Ah bah tu vois, il y a des photos. Donc là, on passe aux photos. Ah oui, j'ai gagné le premier point. Oui, t'as gagné le premier point. Appreciate. Let's go, my man. Allez, on peut y aller. Okobo. Le point est ici à droite, 1-0 pour Nico. Ouais, n'hésite pas à enchaîner, mon ami. Enchaîne, hein. Gasol, Marc. Non. Carter. Non, Vince Carter. Ah ouais, 2 points. Putain, Stockman, bâtard. Bah, c'est Vince Carter. Vince Carter. Hein. Vas-y. Smush Parker. Smush Parker, va très vite pour Thomas. Steph, t'as le droit de jouer. Manu. Boris Diaw. Il y a un piège. Boris Diaw. Il y a un c'est ça, c'est lui-même, Parker. Lui-même sa statue. Oh, il est pour moi, Tony Parker. Oui. Non, sa statue. Alors, Grévin. Statue au musée Grévin. J'ai été plus précis. Il y a lui-même. Ouais, mais enfin, quand je dis Tony Parker, je sais que c'est pas lui. C'est priorité à l'invité. Ok, très bien. Honneur aux femmes. Alors, sorry, Nico. Vas-y. Mike Pietrus. Mahmoud Diarra. Oh, Diarra. C'est Mike Pietrus. Mais il y a 1 point pour vous deux, ça. Mon gars, Mike. Ah bah, Manu. Ah. Ah, par contre, Manu, je peux pas t'accompagner. Alors, on enchaîne. Speedy Claxton. Bravo. Les 3, ils l'ont, le Speedy Claxton. Bravo, je suis content. On a fait le tour. Il en reste encore. Franck. Faut me dire les noms de famille. Ça peut être Franck Kaminski. Ça peut être Nikina, le frère. Ouais. Aussi, c'est vrai. C'est le grand frère de Franck. C'est vrai, mais juste la pression. Du contraire, dans le roster, il y en a qu'un. Marbury, Jason Kidd. Bravo. Bravo. Ah, t'as été plus rapide. Ah, était bon. Pas mal, hein, ce quatuor de jeu des années 2000. On enchaîne. Thierry Henry. Thierry Henry. Oh ouais.
Non, bravo, ah, bravo, bravo, Nico. Alors, on a. J'ai quand même lâché à Marie-Sophie Obama. Rapport avec les. Bah, le rapport, c'est qu'elle est présidente, championne en titre, championne de France de l'ASVEL féminin. D'ailleurs, on la salue et on les félicite. Les filles d'ASVEL, championne de France. Tu as déjà vu la photo, c'est pour ça, non? Non, mais. C'est parti dans tous les sens. On n'a pas bien compté les points, mais on s'en fout puisque de toute façon, tout se joue sur le. Mais Nico a gagné, de toute façon. Sur le qui suis-je. Ça se joue sur le qui suis-je. Attention. Je suis né le 6 mars 1973. Un Oriens. Ouais, un Oriens. Je fais. C'est quoi, j'ai joué avec Tony Parker. C'est un, rapport avec Tony Parker. Ouais, il a joué avec Tony Parker. D'accord. Je passe 4 ans à la fac d'Arkansas. 4 ans, donc de 91 à 95. Corliss Williamson. Je me présente donc à la draft. Je me présente donc à la draft de 95 où je suis choisi en 21e position du premier tour. Par les Phoenix Suns. Joe Johnson. Mais non, il a jamais joué avec. À Phoenix, je fais une première saison rookie de qualité, où d'ailleurs je suis All Rookie First Team. Okay. Starter tout de suite. Richard Dumas. Et j'ai un bon duo d'ailleurs avec Antonio McDice. Ensuite, malgré ma bonne saison, je suis tradé la saison d'après. Dès le mois de décembre, je suis transféré à Dallas dans un trade. Michael Finley. Michael Finley. Oh, bravo, bravo. Ah, le duo, je pense à l'intérieur. Bravo, 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 bravo. T'as pris une star. Finley en 95. Ah bah oui, mais c'était bien. C'est un qui difficile. Ah, il a gagné. Bravo, Nico. Ouais. Bravo, Nico. Bah, il était bravo, meilleur. Voilà. Ah, il était meilleur. Bravo, 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 bravo. Le ballon, bravo, Finley, vrai, le ballon signé du Portel. Nico qui récupère son titre de quiz. Donc, Nico, on se voit le 16 septembre. Je vais réserver au Jean Gall. Tu diras Erwan à l'entrée. Et on fêtera le titre de champion du monde de l'équipe de France. Bah, gros, en tout cas, s'il régale, j'espère qu'il va aller ailleurs que Jean Gall quand même. Jean Gall, c'est la famille. Ils sont privatisés. C'est la famille, tu rigoles quoi. Okay. Ou sinon, je suis le Café Os de Grand Boulevard. À l'Indiana, Indiana. Nico, merci beaucoup d'être venu encore une fois chaque année. C'est un plaisir de te recevoir. Et puis, promis, on essaiera de se déplacer à l'ASVEL, voir les filles et les garçons. Avec plaisir. Et l'Euroleague, hein. 4 octobre à domicile. Hein, premier match, 4 octobre à domicile, Euroleague. C'est une super date. Ah bah, juste avant le début de la NBA, c'est parfait. Écoute, on y sera. Tiens, on prend. Tout à fait. On y sera. Et moi, t'as de quoi nous loger ? Je serai pas là, moi. T'as de quoi nous loger ? Le patron, oui, ce patron sera là. En tout cas, moi, j'espère être à Pau grâce à mon ami Stephen Brun pour regarder le premier match de préparation de l'équipe de France. Donc, n'hésite pas, si tu vois un mec torse nu dans les tribunes avec écrit Nico Batum sur le torse, ce sera moi. Voilà, j'en espère que cette vidéo vous a plu sur l'immense carrière de Tony Parker. Nous, en tout cas, on a pris un énorme plaisir à le faire. Nico, bon courage pour la suite, bon courage pour l'équipe de France. Merci beaucoup. Et puis, on continuera à te suivre. Et puis, ça sera toujours un plaisir de t'accueillir sur les plateaux de la Fersim. Merci à toi. Ciao. Merci à Brun Brun. Miyagi. Ah ouais, régale. Salut les gars. Ciao.